Un vent nouveau souffle sur les téléspectateurs du monde arabe. Alors que l'audience des chaînes officielles est à la baisse, les chaînes satellites gagnent l'attention du public. La raison de cette popularité? Des diffusions inhabituelles avec des programmes différents de ceux que l'on connaissait dans le passé. Loin des programmes traditionnalistes, le satellite offre des possibilités modernes qui s'adressent particulièrement au public arabe. Ainsi, des dizaines de chaînes voient le jour proposant des clips vidéo particuliers caractérisés par leurs affinités laïques, modernes et occidentales. En passant d'un extrême à l'autre, cette nouvelle tendance balaye les conformités de la culture arabe. Ces nouvelles chaînes de télévision reçoivent évidemment de nombreuses critiques de la part de religieux musulmans. Cependant, cela n'empêche pas l'audience d'augmenter dans l'ensemble du monde arabe et musulman, qui semble apprécier ces programmes d'un nouveau genre. Les émissions musicales restent au centre de ces diffusions et chaque mois, plus de 50 artistes figurant dans de nombreux clips passent sur une quinzaine de chaînes diffusées dans le monde entier. Malgré l'origine saoudienne des principaux investisseurs de ces chaînes satellites, un haut dignitaire saoudien, le cher Saleh Al-Louidan, président du Conseil supérieur de la jurisprudence, a émis une fatwa. Ce décret religieux appelle au meurtre des patrons de télévision satellite arabe qui, selon lui, propagent la dépravation de la population musulmane. الشيخ صالح الحيدان هو رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية وهو ثاني أرفع المناصب الدينية الرسمية لذلك الفتوى يعني تكتسب هذه الأهمية الكبيرة اتكاء إلى مكانة وكاريزما الشيخ صالح الحيدان عندما يفتي رأس الهرم القضائي بجواز قتل ملاك القنوات الفضائية حتى ولو قال قضائيا فهذا أمر خطير كونه أصدر الحكم أصلا قبل أن تتم المرافعة ويتم حضورهم إلى القضاء وتم مناقشتهم Ces programmes controversés ont entraîné la colère de dignitaires islamiques qui se sont dépêchés de publier ce décret. Cependant, malgré la fatwa et les critiques virulentes, la popularité de ces chaînes est à la hausse. Il semblerait que le peuple arabe n'est pas forcément influencé par cette décision religieuse. Il préfère profiter de cette nouvelle tendance culturelle.